Donc, on se trouve ici au niveau du cimetière de Ben Chiba. La première carte ici, c'est une carte d'installation où il y a le maillage. Tu as les installations de traitement réparties sur les territoires de la wilaya. Donc, dès la mise en exécution, tu as le programme national de gestion des déchets ménagers. Là, la politique a fait en sorte que on doit c'est-à-dire financer des opérations de création des installations de traitement de telle manière pour couvrir tous les territoires des wilayas. Donc le cas de l'Abdès, de la wilaya de l'Abdès, en était le cas. Les installations de traitement sont réparties comme suit. Le CET de l'Abdès, la décharge contrôlée de l'Issier, le CET de Ben Chiba, la décharge contrôlée de Ben Chiba Chilia, de Chitouane, pardon, la décharge contrôlée de Marho et la décharge contrôlée de Rasselma. Actuellement, les rangements d'exploitation, c'est juste la décharge contrôlée de Chitouane et le CET de Sidi Blabès. La décharge contrôlée de Chitouane, durée d'exploitation restante maximum 3 ans. Le CET de Sidi Blabès, déjà on est à 115%, bon, avec une bonne gestion. 115% d'exploitation à 7 mètres de hauteur. Donc, à tout casser, avec une bonne exploitation, un bon compactage, nous avons Jidoubé. Actuellement, on est à le CET de Ben Chiba. Donc, le CET de Ben Chiba, c'est une inscription qui est à 2007. C'est une inscription qui est à 2007. Il s'étend sur une superficie de 2,7 hectares. La date de démarrage des travaux 2008, il a connu beaucoup d'entraves le long de la réalisation. Le coût de la réalisation et de l'équipement, elle est de 200 millions de dinars. Donc la capacité d'Al-Kazin, le casier d'enfouissement, elle est de 196 000 m3. La capacité des bassins d'Ixivia, elle est de 2651. Donc je vous épargne les périmètres et tout ça. Les communes desservies, programmées, c'est Ben Chiba, Tenira, Tira Limet, Sidi Ali Benio, autrement dit, Sidi Ali Benio et Hassidahou. Autrement dit, c'est les communes qui couvrent un rayon de 20 à 25 km autour des CET. Voilà. La quantité prévisionnelle des déchets reçus par ce CET, elle est de 35 par jour. La durée prévisionnelle, la durée de vie, elle est de 6 à 10 ans. Maintenant, tout dépend du mode d'exploitation, la bonne couverture, le bon compactage. Et le bon tri, bien sûr, l'injumitoulnaf, la mort à l'occasion. Maintenant, la conception technique, si vous permettez, M. Loali, je vais donner la parole à M. Baudrin. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de révolutions. Deux opérations, deux révolutions. C'est normal, est-ce qu'il est en 2007, en 2021, c'est normal. Avec un arrêt de 10 ans, c'est normal. La dernière réception prononcée fait être le projet, qu'en 2011. Et actuellement, M. le Loyer, il y a des entreprises qui n'ont pas encore reçu les. Plus de 200 000 euros. C'est des montants engagés avec des problèmes administratifs. C'est de la qualité de la route. On ne peut pas éviter la. Oui, justement, on va vous proposer. On va vous proposer. C'est-à-dire, il y a eu un effort, il y a eu une déviation au niveau des travaux publics, mais le problème est persisté. C'est-à-dire, on doit toujours prendre. On a un autre tracé. On a un autre tracé, le travail qu'on a fait, il y a un autre tracé, il y a directement. Eh bien oui. Annie, le gut, ça ne peut que mettre l'installation, on peut pas dire trop. Proposition à l'heure, on est en chemin, on ne peut éviter de la sortie. Si nous, on a des fautes, on a des fautes, on a des fautes, on a des fautes. Juste l'ouverture de piste. J'ai oublié qu'il y a un chabat, il y a un petit ouvrage. Alors, le volet technique, M. Loali, on est encore bien. Alors, C'est la pénitentiaire. Là, sauf l'historique, l'inscription, il y a très inscrite, réalisation des CET Ben Chiba Wittler, première tranche, réévaluée. Même bête, ils n'ont pas pu demander une deuxième réévaluation, donc d'ailleurs, Ben Chiba Chilia, deuxième tranche. C'est la même opération, le même projet, mais avec deux inscriptions, les deux inscriptions ont été réévaluées. Et à l'intérieur, il y a eu plusieurs restructurations.
Monsieur Wali, alors pour pouvoir démarrer le projet, j'ai fait recours à un auditeur. Parce que historique, je suis à Douyen, ou la Khor, donc c'est l'auditeur qui m'a accompagné. Je fais un peu pour dégager le reste à réaliser, ou je fais un peu de charges nécessaires, je fais un peu de charges. Et on a fait, il y a eu des propositions sur l'auditeur, M. Wali. Certainement, vous lui avez envoyé le dossier, ça dépend. Il faut prendre des décisions maintenant pour effacer les 10 ans qui sont passés. Et pour arriver à ce stade de l'Irak, il était complètement abandonné, il était complètement dans un état. Et donc, on a fait des efforts. Il y a madame, c'est grâce à elle. Il a fait des grands efforts, c'est pas par lui-même, il a fait les travaux. Et puis il y a la petite clôture aussi, parce qu'on a fait une fiche technique pour le rendre opérationnel. La fiche technique, elle a été évaluée. Et puis il a fait des efforts. Même la clôture du bassin de l'Exilia, Wadrhab, avec ses moyens, avec ses propres. Monsieur Wali, le concours de l'épixuité à travers Monsieur Talha m'a permis d'éliminer deux lots sur le cahier de charge. Deux lots, quand on dit deux lots, d'armes en charge à la ratite de voilà. Alors, autre chose aussi, ce qui est très important, c'est que le Kanchoufoum parle du cas d'enfouissement. On trouve la hauteur ou la capacité de terre, c'est une capacité à la serre de la géomorale, elle ne dépasse pas 4 ans, 5 ans. Heureusement qu'il y a les talus. Il y a le côté avec, sur deux côtés, le talus est là. Donc, je leur ai expliqué, dans l'avenir, on peut multiplier par deux le temps de réalisation, même par trois, si on monte en dôme. Donc, mais il faut réaliser des petits travaux par la suite. Donc, même date qui vous donnez de fondre à nous là. Le plus important, c'est l'urgence était de lancer les travaux. Lancer les travaux, éradiquer voilà. 7 décharges sauvages. Et pratiquement 70% maintenant, on a un terrain forestier. Ça sera les déchets ménagers. Oui. Ce n'est pas les ordres ménagers. Non. C'est les déchets ménagers assimilés. Monsieur Talhar, il a essayé un agrément auprès du ministère de l'Environnement pour qu'il y ait un lieu de stockage pour les déchets spéciaux. Parce qu'il n'a pas le droit aussi. Les batteries, les pneus, les métaux ferreux, il a eu un agrément à part. Donc il est en train de faire le nécessaire pour le faire à le ministère. Ça c'est une photo générale qui me rappelle comment on fait la conception d'un casier. On dit un casier d'enfouissement. Donc le tertidji, c'est la terre normale logiquement. Mais bas d'ici un complexe argile, un dérou de l'argile, on bas d'un dérou la géomembrane, c'est-à-dire la géomembrane. La bentonite, c'est l'argile, etc. On dérou la géomembrane. Où cela termine? Logiquement, bon, il y a des gens qui veulent faire la géotextile, elle ne sert à rien, c'est de l'argent. Ça a été imposé, en quelque sorte, elle a été imposée avant.
mais حنا والله في بلو باسكو ديرهم سي الوالي une semaine après avec les gardes de zoo ou chou هذاك الكلاب حشاكم etc يقطعوها ديجا لا جيون مبران باش لا جيون مبران باش تدوب على راس entre un siècle techniquement يقول لك قرن ونص حتى لزوج قرون دونك on se contente avec la gion mbran cela تاع البيب علاش نزيدو الدراهم بزاف هذه هي دونك لا تكنيك كومون اون في نجيبو لي ديشي ميناجي اي اسيميلي نديروهم و 80 مات نديرو دي توفنون نديرو لا شوم نديرو التوفنون و نجيو رايحين بور ايفيتي لودور دونك تو سورا بازي سور بالمعنى ما دروك لا 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 طار اللي شي مسيو C'est l'exploitation. C'est l'exploitation. C'est le Sotalha. Il doit, logiquement, il doit veiller à ça. Parce que le village, nous avons, il est là. Donc, à la tête, si on ne fait pas une bonne exploitation, l'odeur, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à plusieurs communes. Et là, je vous dis, je suis obligé de vous dire ça. Je suis technicien en la matière. Le choix du terrain, c'est un mauvais choix. Là, c'est un mauvais choix. Là, nous sommes devant le bassin du Mexique. Ils vont tomber dans les bras. Vers le village. Là, c'est le casier. C'est-à-dire le bassin, le casier, c'est à l'enfouissement. Tartu Daimon, il y a ce qu'on appelle la lagune ou le bassin des lexiviens. Hadouk les jus, avec le compactage, ou ben nous, hadouk les jus, il y a Oudo, et j'ai Ounaï. Donc, Hadou, c'est le grand danger, parce qu'il y a des métaux d'eau, il y a le fer, le granès, le zabi. Ça, c'est un grand danger. Pour faire une station d'épuration, ça coûte énormément cher. Déjà, le ministère a lancé des stations d'épuration. Par Wilaya. Ils ont donné par Wilaya. Et encore, ce n'est pas encore installé. Il a installé à 70%. Alors, Hadehna, le comico est cru. Nous, ça c'est le grand danger. Mais on a recommandé, Galaudi, il faut acheter toujours parce qu'il n'y a pas de débordage. Qu'est-ce qu'on fait en période de pluie? On fait le refoulement. C'est la technique parce qu'on ne peut pas acheter. Ça coûte très, très cher une station d'épuration. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un refoulement. C'est l'exploitation, monsieur Bourdon. C'est l'exploitation. Donc, le fait que il faut acheter une deuxième pompe à mettre toujours en réserve. Dans le cas. Oui, on aura des crues ou là, on fait une deuxième pompe qu'il faut le refoulement. C'est le seul danger de l'Ijmoun Khafou. Et ça, c'est le mauvais choix. Le choix de terrain. Oui, il est rattrapable dans l'exploitation. Parce qu'on a un climat semi-aride, donc il y a le phénomène d'évaporation, il peut repomper le casier, l'exiver, repomper le casier, le temps libre où tu trouves le bassin, donc on a un En plus, il y a le citernage ou la station de traitement. Donc, c'est tout le monde, M. Baudran, l'exploitation. D'accord ? Ou M. Loueli, parce qu'il y a la partie qui est dans la chaîne, il y a qui dit la géomembrane. Nous les matériaux drainants. Là, c'est les déchets. Là, c'est le gravier. Le fausse gravier, il y a des bus perforés. Maintenant, il y a un gravier. Il faut des bus perforés pour recevoir l'exivia. Ou l'exivia met un filtrage parce que il y a toute la protection passive et active. Les rares, il y a des le sous-sol. Donc, c'est vrai, je connais M. Baudran, la position de l'exivia, le dimensionnement, les pluies, c'est la gestion. Voilà, M. Talha, déjà le gestionnaire, le technicien d'exploitation, je suis de la formation, je suis de la formation. Donc, c'est bon, Hadou, soit à l'exploitation. En parlant de recrutement, M. Talha, la personne qui va travailler là-bas, je veux qu'il soit recruté nous. En priorité, le micro. Ou la quête des techniciens ou des ingénieurs. Très bien. Que ce soit le technicien ou l'ingénieur ou le simple employé ou la priorité ou le blanchir. Il a qu'un profil de ma sorte de blanchir. Charles Rachter, quel est le profil 10. On engage entre les 200 de tri, les dans les rails très longtemps, on garde le tri. Donc, les places en bas, la colère,
نزيد واحد الرابعة. صلاة فيوريت parce que monsieur Louali hnaïa qui donne l'audit ou خرجنا le reste à réaliser, il y a eu correction des écarts vu le temps écoulé na bin la réception, la dernière réception, la mise en exploitation. C'est ma la correction des écarts dara monsieur Boudra Kamel. Vous êtes deli monsieur Talha, vous êtes deli de long le cahier de charge. Donc le reste à réaliser na عندي, عندي un hangar de tri ou عندي acquisition tal matériel et voir rétrochargeur ou chariot innovateur, procédure mediura, le CP pour engager c'est tout. La formation oui, la شنو موضوع الاتفاقية؟ عطى الميكرو. استقبلنا. محمد. السلام عليكم سيدي الوالي سادة الحضور. إذن الاتفاقية المبرمة بين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لعجين الميلود والمؤسسة الوطنية لردم النفايات بولاية سيدي العباس تدور حول التبادل بين المؤسستين في أولا التكفل بالمتمهنين داخل المؤسسة الوطنية لردم النفايات، التكفل بالمتربصين في السداسي الخامس من تكوينهم، أيضا هناك تبادل لمعهد العجين ميلود يتكفل بالتكوين في شعبة تقنية الإدارة والتسيير لفائدة المؤسسة الوطنية لردم النفايات، هناك تبادل ما بين المؤسستين من خلال التكوين، أيضا تدخل مديرة البيئة في التوعية والتحسيس بالنسبة لمتربصين ومتمهلين في ميدان البيئة والنظافة، بالخصوص أن معهد التكوين المهني المتخصص العجين ميلود اللي يتخصص في جرش في شعبة المياه وكسيرها مثل استرجاع تسيير ورسكنة النفايات، أيضا كل ما يخص بتسيير المياه واقتصاد المياه، أيضا بفرز النفايات، وعندنا مسبقا متمهلين على مستوى مركز الردم بولاية بمقر الولاية بسيدي بلعباس. اللي راهم اكتوالمون سي لو نيفو الشهادة المتخصصة في التكوين المهني. هادو متمهنين جايين من مركز التكوين المهني بورومي مولاي توكور. وايضا عندنا دي بيزاجيست او نيفو دو لا ديريكسيون دو لانفيرونمون. وغادي هاد المرة نديرو الدفعة المقبلة غادي نفتحو جيستيون اي ريسيكلاج ديشي اي اون فان سيغ دي زابونتي او نيفو دو دي ديفيرون سونتر دونفيسمون بي تي اس بي تي اس نيفو 5 تقني سامي بارك عليكم.